Bon matin, chers auditeurs, avec quelques minutes de retard. Et comme on le dit si bien, on appelle ça la vie, hein, quand on n'a pas le contrôle sur les événements extérieurs. Eh bien, ce matin, c'était mon cas. J'étais dans un bouchon parce qu'il y avait un gros accident sur coin Hochelaga. Donc, pendant une heure, j'ai fait à la queue-leu-leu. Alors, désolé, mais ça n'empêche pas qu'on va avoir une superbe émission. Alors, aujourd'hui, eh bien, le sujet, est-ce que vous avez peur? Ça vous arrive-tu d'avoir peur de conduire dans votre voiture? Et je vais vous faire un secret. À chaque chose, moi, que j'enseigne, que ce soit une conférence, un cours et même une émission de radio, je vous le dis, je vais quasiment avoir peur les prochaines émissions de ce que je vais annoncer comme thème. Parce que aujourd'hui, on parle de, est-ce qu'on a peur de conduire sa voiture? Est-ce que vous avez peur d'être pris dans le trafic? Peur d'être malade? Peur de parler en public? Alors, c'est ce que j'ai vécu ce matin. J'étais coincée dans le trafic et je peux vous dire, quand j'ai fait ma grande carrière dans les peurs, si ça m'était arrivé lorsque j'étais agoraphobe, eh bien, probablement qu'on aurait eu une émeute sur Henri IV. J'aurais laissé mon auto là parce que c'est ce que j'ai déjà fait, laisser mon auto puis me mettre à courir parce qu'on était pris dans un bouchon. Puis à ce moment-là, j'étais sur la capitale. Puis je courais et à un moment donné, j'ai dit, ben voyons Nathalie, qu'est-ce que tu fais là? Ton auto, tu vas encore créer un autre bouchon. Donc, tout ça pour vous dire que je vis toujours les thèmes pour venir comme vérifier, est-ce que Nathalie, t'as vraiment intégré ce que tu t'apprêtes à enseigner? Eh bien, je peux vous dire que oui, j'ai vraiment bien intégré parce que à part être un petit peu impatiente vu l'heure tardive et mon émission, je peux vous dire que à part ça, ben j'ai écouté de la musique puis si j'avais eu un nez de clown, j'aurais mis mon nez de clown puis j'aurais fait des tatas aux gens qui passaient puis qui étaient impatients puis qui essayaient de couper et tout ça. Donc, alors, notre thème aujourd'hui, parce que je reçois un invité qui, lui, est doué et est quand même doué dans le domaine. Il est professeur en psychologie, donc il enseigne au Cégep à Montréal. Donc, ça va être très intéressant. Et je vous invite, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez nous écrire. Et aussi, si vous voulez téléphoner, donc au 418-903-5969. Donc, pour faire l'ouverture de l'émission, eh bien, je suis allée faire des petites recherches et j'ai vu que selon l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal, eh bien, et les statistiques sont très élevées, les troubles paniques, il y a des gens qui vont vivre à la vie, 35% de la population vont vivre le trouble panique à vie et 2,3% vont le vivre pendant 12 mois, une période de 12 mois. L'agoraphobie, 5,3% et 12,8% pour un an. Phobie sociale, 13,3% la phobie sociale, donc c'est très élevé. On dit même qu'une personne sur trois a un malaise de parler en public et 7,9% sur une période d'un an. Phobie spécifique, 11,3%, 8,8%, le TAG, 5,1%, 3,1%. Et 10 à 15% de la population souffre d'anxiété. 25% de la population toujours ont déjà vécu un trouble anxieux important dans leur vie. Et ce qui m'a vraiment aussi surprise, c'est les enfants. 45% de nos enfants sont stressés et 60% chez les adolescents de 12 à 17 ans. Et selon la docteure Sonia Lapien, le stress des parents déteignent sur leurs enfants, malheureusement. Et à l'hôpital de Montréal, spécialisé en santé mentale pour les enfants, de 30 à 40% des enfants se présentent à l'urgence avec des signes, des symptômes anxieux. Et un cégepien sur trois souffre d'anxiété, donc de 30 à 35%. Wow! Ce n'est pas rien quand même, hein? Ouais. Donc, c'est un sujet qu'on doit vraiment s'attaquer, hein, on va le dire le mot, s'attaquer, parce que on doit amener les gens un éveil, on doit amener des outils, on doit expliquer aux gens c'est quoi exactement l'anxiété, pourquoi j'en souffre, et c'est ce qu'on va parler aujourd'hui à l'émission. Donc, si vous dites, ben c'est plate, je suis dans le trafic moi aussi, puis je m'en vais travailler, eh bien, c'est pas grave, l'émission est toujours enregistrée, donc vous pouvez aller rechercher le podcast sur la station CJMD 96.9, le 969FM.ca, et sur ma page
Facebook, Nathalie Jean, Dis-moi tes peurs, votre animatrice qui vous suit, qui est là pour vous et qui est à votre service à chaque jeudi. On prend une petite pause et au retour, je vous présente mon invité. Alors, mon invité aujourd'hui, il se nomme Alex Saraf, professeur de psychologie au Cégep de Saint-Laurent à Montréal, auteur du livre « La psychologie pour apprécier l'humain » aux éditions Béliveau. Et c'est un homme qui, évidemment, vous l'avez deviné, hein, quand on est en psychologie, eh bien, on ne l'est pas pour rien. C'est qu'on a un côté humain et qu'on veut transmettre, on veut aider les gens. Donc, bon matin, Alex. Bon matin. Écoute, on est toutes les deux, on est à la course, n'est-ce pas? Oui, je sais. Moi aussi, c'était avec le trafic, là. Tous les deux, on était dans le trafic et on n'a pas eu le choix de plier, évidemment, à ce qui nous arrivait. Oui, bien sûr. Alors, moi, écoute... Qu'est-ce qui fait, bon, première question, je suis curieuse, qu'est-ce qui fait que tu es allée dans la psychologie? Moi, la psychologie, c'était toujours un domaine qui me passionnait. J'avais pris le cours initiation à la psychologie qu'on appelait anciennement introduction à la psychologie au Cégep de Saint-Laurent à Montréal où j'enseigne depuis plus que 15 ans. Puis, j'ai toujours voulu devenir professeur quand j'étais à l'école secondaire, mais je savais pas si je voulais devenir professeur au primaire, secondaire ou cégep. Mais quand j'avais pris ce cours-là, Introduction à la psychologie, qui s'appelle aujourd'hui Initiation à la psychologie, je me suis rendu compte que la psychologie, c'était ma branche, que c'est ma passion, que je voulais transmettre mes connaissances, que j'adorais la psycho. C'était le cours, la matière la plus intéressante que j'ai adoré le plus au cégep. Donc, je me suis dirigée vers ça. Puis, je suis bien content, là, parce que c'est quelque chose que j'adore faire, enseigner au cégep. Donc, bien, évidemment, faut avoir comme un appel hein, pour ouais, l'enseignement. C'est l'enseignement, vrai. C'est faut aimer apprendre et transmettre. Hein? C'est sûr que si on n'a pas ces attributs, eh bien, on s'en va pas professeur, puis surtout pas enseigner la psychologie. Oui. Donc, j'ai eu beaucoup de questions suite au post que j'ai mis sur Facebook. Bon, parce qu'on sait qu'on a nommé, t'es-tu d'accord avec les statistiques, comment c'est élevé? Mais c'est ça, je suis d'accord, parce qu'on dit, moi je l'avais écrit dans mon livre, que les deux grands malheurs de la société, là, postmoderne, de la société actuelle, c'est l'anxiété puis la dépression. Puis c'est vrai ce qu'il disait, parce que moi je sais que j'avais pris une formation, et il disait que la laliaphobie, c'est la peur de parler en public, puis c'est la peur la plus commune que les gens ont. Pensez, mettons, aux étudiants au cégep ou aux élèves de l'école au secondaire qui ont peur de faire un exposé oral, par exemple. Oui. Donc, c'est ça, là. Donc, il faut vraiment les outiller, là. Donc, j'étais d'accord avec les statistiques que tu avais nommées. Oui, c'est énorme et c'est de plus en plus. Oui, c'est vrai. Pourquoi aujourd'hui on retrouve même des jeunes enfants? Et tu sais, moi, je suis thérapeute depuis 25 ans et j'aide les gens, j'aide les enfants. Et j'ai eu des enfants de 5 ans qui souffraient de TOC et de phobie et d'angoisse. À la maternelle, déjà, à la première entrée scolaire, l'enfant souffre, veut plus y aller, a des maux de tête, fait de l'insomnie. Alors, comment on peut... Comment se fait-il que aujourd'hui le taux a tellement augmenté au niveau de toute de l'anxiété et tout ça? Je pense aussi c'est parce que c'est plus révélé, parce que les gens ont moins peur de se confier. Avant, les gens le gardaient plus secret, ne voulaient pas le dire. Pensez aux baby boomers dans le temps, tout était secret. Il y a des choses que les gens voulaient pas dire. Et aussi, on est dans une société où il y a beaucoup de compétition, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a aussi les parents qui peuvent mettre de la pression auprès des tu sais, l'anxiété de performance, par exemple, pour nos étudiants là, et nos élèves. Donc, ça va. Je pense aussi que c'est familial, c'est culturel, et puis c'est aussi individuel, c'est l'individu lui-même aussi. Oui, tu as tout à fait raison, parce qu'aujourd'hui, moi, si je me réfère à mon expérience comme thérapeute, j'ai eu des adolescents qui voulaient être le meilleur dans tout. Ben oui, dans ça. Les sports. Oui. Après ça, ben, ils voulaient être aussi le meilleur ami, avoir des bonnes notes. Le corps physique, hein, d'être musclé, d'être bien découpé. Donc, on cherche beaucoup la performance et la perfection. Oui. Et moi, je pense, parce que tu sais, j'imagine que le plus haut taux de suicide au monde est au Québec,
Hein, oui. 3,5 personnes s'enlèvent la vie chaque jour. Oui. Alors, c'est énorme. Et comment se fait-il? Ben, je pense, moi, que la pression qu'on se met en tant qu'adulte, enfant, parent, eh bien, découle, va donner des conséquences à tout ça. Oui, je pense aussi. Puis, il disait aussi par rapport au suicide, ce sont les hommes qui suicident plus que les Se suicident plus que les femmes, et surtout en région parce que c'est plus isolé. Parce qu'il y a, on veut pas, peut-être moins de ressources, mais c'est aussi parce qu'on est plus isolé, c'est régional aussi, c'est plus en région que ça se passe, le suicide, mais je sais que ça, il faut aussi en parler, hein, ça c'est important. Je pense que c'est en janvier que c'est le mois de prévention du suicide, je me rappelle pas. Oui, puis ben, évidemment, à fin janvier, on a belle cause. Ouais. Belle cause qui, justement, et est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, justement, on en parle plus? Et j'adore les nouvelles, qu'on entend les nouvelles annonces à la radio qui dit, bon, bonjour, je suis psychiatre et je souffre de bipolarité. Oui. Et je trouve que ça vient démystifier beaucoup les maladies mentales et ça vient aussi comme, ben, démontrer que c'est pas de la folie, là. Ouais, parce que la folie, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est le comportement commun, puis le comportement qui est moins commun, qui est plus atypique. Donc, il faut vraiment faire de la sensibilisation puis de la démystification de la santé mentale et de la psychopathologie. La psychopathologie, c'est une branche de la psychologie qui étudie les troubles mentaux, c'est-à-dire les troubles de santé mentale, les maladies mentales qu'on dit que les psychiatres appellent. Donc, je pense aussi que ce qu'il dit, c'est que, je me rappelle, c'était en fin de compte, c'était Sonia Lupien, en fin de compte, c'est ce que je voulais dire. J'avais suivi une conférence en soirée à l'Institut de santé mentale de Montréal, puis Sonia Lupien était là, puis elle avait intervenu à un moment donné, puis elle disait que les gens développent plus d'empathie quand il y a un témoignage en personne live d'une personne qui parle de son problème de santé mentale. Puis elle a écrit aussi Pour l'amour du stress, elle est très connue, hein? Donc elle parle, c'est ça. Donc, je pense que oui, il faut avoir les conférenciers qui témoignent de leurs problématiques de santé mentale. Pour n'en nommer qu'une seule personne, il y a Marie-Cécile Labrèche, que j'ai suivi sa conférence parce qu'elle a un trouble de la personnalité borderline. Oui, c'est ça. Puis elle a écrit le livre Borderline d'autofiction, le livre d'autofiction Borderline, puis Labrèche. Puis ces deux livres-là ont été, en fin de compte, adaptés à la télévision. Là. Mais je ne fais pas à la télévision, au cinéma. Au cinéma, le film Borderline avec le personnage principal qui incarnait Isabelle Blais. Oui. Et tu sais, moi, Alex, j'ai été pendant 28 ans agoraphobe, claustrophobe, hypochondriaque. J'ai vécu aussi l'anorexie. J'ai vécu pendant 15 ans sur une base régulière de l'inceste de deux hommes. Oh, alors, ça m'a pris 28 ans à me libérer de tout ça. Alors, c'est la raison pour laquelle j'imagine que je suis dans ce domaine et que j'aide les gens. Je le sais, quand on vit ces choses-là, comment on se sent pas bien. Et justement, l'anxiété, parce que, bon, on sait que l'anxiété, tout le monde, monsieur, madame, tout le monde vont en faire un jour. Donc, mais l'anxiété peut être normale, de l'inquiétude. Ouais. Hein? C'est comme moi ce matin, là, dans l'auto, j'imagine que toi aussi. Ouais, c'est ça. Là, on était toutes les deux inquiets. Puis là, je me suis dit, coudonc. Bon, alors ça, c'est normal parce que cette inquiétude-là va nous amener à développer, mais à faire monter notre adrénaline pour pouvoir partir l'émission rapidement. Oui, bien sûr. Bon, mais après ça, c'est correct, on redevient à la normale. Donc, c'est pas nuisible. Oui. Mais il y a une différence entre cette anxiété-là et l'anxiété qui devient plus problématique. Ouais, Alors, j'aimerais, si tu veux bien, qu'on va décrire qu'est-ce que c'est que l'anxiété, parce qu'on a aussi le TAG qui est de l'anxiété généralisée, pour que les gens puissent se retrouver dans le portrait, si on veut. Mais c'est ça, parce que l'anxiété, en fin de compte, c'est une émotion. Donc, ça peut être l'anxiété aux examens, pour les cégepiens, mettons, ça dure une semaine. Quand l'anxiété perdure dans le temps, ça devient un sentiment, ça devient le stress. Comme, par exemple, le stress au travail, qui peut durer 2-3 mois. Donc, l'anxiété, en fin de compte, c'est une émotion négative. Et c'est par rapport, en fin de compte, à des événements. Il y a des éléments déclencheurs de son environnement physique et social qui provoquent cette anxiété-là. Lorsqu'on vit des situations anxiogènes, c'est-à-dire des situations qui causent de l'anxiété ou qui amèneraient potentiellement de l'anxiété. Donc, c'est un élément déclencheur, puis on le ressent.
Donc, parce qu'il faut se mobiliser, en fin de compte, puis aller de l'avant. Puis le trouble d'anxiété généralisé, en fin de compte, il y en a 6 critères, 6 symptômes, puis il faut en avoir 3 sur les 6 pour avoir le TAG, le trouble d'anxiété généralisé, mm-hmm. si je me souviens bien. Ils n'ont pas changé les critères dans le DSM-5, qui est le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux de American Psychiatric Association. Mm-hmm. Donc, c'est insomnie, fatigue, irritabilité, manque de concentration, aussi par rapport au le psychomoteur, là. Ouais. Ça peut être un ralentissement psychomoteur. Ça peut être c'est ça, des oublis, manque de concentration, manque de concentration, fatigue, irritabilité, ça c'est certain qu'il y avait, et insomnie, c'est ça. Donc il y en a d'autres aussi. Oui. Et aussi, on a l'impression qu'on peut virer fou. On a l'impression qu'on va perdre le contrôle. Et moi, je me rappelle, là, Alex, là, je me vois dans la salle de bain, puis là, je me mets la main sur la tête, puis je dis à ma jeune sœur, Caroline, je vais virer folle. Je te dis, je suis en train de virer folle. Puis là, elle me disait, ben non, Nathalie, ne t'en fais pas. Donc, ça nous donne l'impression qu'on va perdre le contrôle et même de faire une crise de cœur. Ouais. Hein? À 18 ans, moi, j'ai dit, ça y est, je vais mourir du cœur, mais j'ai juste 18 ans. Ouais. Donc, ce sont tous des symptômes comme ça, hein, l'inquiétude, la concentration, la respiration. Les symptômes aussi, c'est la respiration, l'engourdissement. Oui, c'est ça. C'est parce que la personne qui a le trouble d'anxiété généralisée, elle saute aux conclusions. Elle va voir le côté négatif plutôt que le côté positif. Il y a de la surgénéralisation. Elle va, en fin de compte, c'est la pensée tout ou noir, en fin de compte. C'est des appréhensions qui sont non contrôlables où la personne voit les catastrophes, là, elle s'autoconclut, tu sais, que le pire va arriver, en fin de compte. Je me rappelle, il y avait une conférencière, en fin de compte, ça fait plusieurs années de ça fait plus que 10 ans, je pense. Puis c'était à l'hôtel des gouverneurs qui est à côté de chez moi, au centre-ville de Montréal. Puis elle avait dit, en fin de compte, la personne qui a un trouble d'anxiété généralisée, c'est la personne qui n'est pas capable de mettre la switch à off. Mm-hmm. Puis la switch à off, elle avait pris, en fin de compte, la switch pour les lumières, là, pour les néons. Elle n'est pas capable de la switch off, c'est-à-dire que son cerveau fonctionne toujours tout le temps à dire je vais couler au cégep, mettons, je vais couler l'examen, je vais couler le cours, je vais être dehors du cégep, je vais devenir itinérant. Donc, il y a vraiment les catastrophes qui arrivent, là. Puis, le trou panique aussi, c'est vrai que si tu veux qu'on en parle. Mais le trou panique, c'est ça, c'est qu'on ne sait pas ça vient d'où, mais c'est comme généralisé, puis il y a beaucoup de choses, puis on ne sait pas ça vient d'où, puis la personne a vraiment peur de mourir parce qu'elle manque elle a difficulté à respirer, ses mains deviennent moites, elle transpire, etc. Donc, c'est difficile d'avoir des troubles anxieux, en fin de compte. Il faut vraiment avoir de l'empathie envers ces gens-là. Beaucoup, et surtout de pas... On a tendance à vouloir raisonner. Hein, la personne de dire, ben voyons là, voyons franchement là, moi j'étais des années couchée dans un lit incapable de sortir à l'extérieur, puis je me rappelle que les gens me disaient, ben voyons Nathalie, viens, t'as confiance en moi, là, je vais te prendre dans mes bras, ben, tu vas voir, mais ça ne fonctionne pas, parce que c'est pas un raisonnement, la peur, pour moi, la peur est la conséquence de ce que je fais avec mes émotions, et on doit aller à la pause, et au retour, Alex, si tu veux bien, moi l'émission, on partagera tous les deux notre savoir maintenant de donner une clé. Qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on est tout le temps dans l'anxiété? Oui, bien sûr. On est épuisé, hein? C'est très épuisant. C'est plus épuisant que pelleter avec une pelle puis c'est vrai. Faire de la construction. Oui. Donc, on veut vous donner, parce que l'émission Dis-moi tes peurs, c'est des outils. Bien sûr. Hein? C'est super important. Donc, au retour, on va donner un outil sur l'anxiété. Oui, puis parfait. Après ça, on va te parler de la phobie sociale, puis ainsi de suite. Donc, restez avec nous. Alors, nous sommes de retour et juste avant d'aller à la pause, Alex, on parlait de l'anxiété généralisée. Et on sait que beaucoup, j'insiste sur le beaucoup de gens en souffrent. Et on ne doit pas oublier que dans les statistiques qu'on a nommées tout à l'heure, il y a des gens qui ne le disent pas aussi. Hein, il y a encore des gens qui vont se cacher derrière, ça peut être l'alcool, ça peut être la drogue, vont se cacher derrière parce qu'ils ont honte. Et surtout les hommes, de vivre de l'anxiété, c'est comme pour eux pas être un homme, ça fait comme fragile, vulnérable. Et c'est une des raisons pour lesquelles
l'homme va avoir, il y a plus de suicides chez l'homme parce que il va porter en lui, hein, la honte de dire, ben, comment ça que je suis rendu, que j'ai peur de conduire ma voiture, puis je suis anxieux le matin quand je m'en vais travailler ou d'aller parler, de faire un témoignage ou quelque chose comme ça. Donc, oui, c'est difficile et c'est ce qu'on veut démystifier aujourd'hui à l'émission Dis-moi tes peurs avec mon invité Alex Saraf, justement de dire, on doit en parler et d'aller chercher de l'aide et des outils. Ouais. Donc, Alex, quand on souffre d'anxiété, quels outils, qu'est-ce qu'on peut faire pour nous aider? Ouais, c'est ça, mais j'ajouterais, Nathalie, si tu me permets, que quand le trouble d'anxiété généralisé dure 6 mois, là, ils mettent le trouble d'anxiété généralisé. Je pense que c'est ça, il faut que ça dure vraiment 6 mois pour que ça soit trouble d'anxiété généralisé. Quand le trouble d'anxiété généralisé n'est pas contrôlé, qu'il n'y a pas de médicaments, qu'il n'y a pas de thérapie, là, la personne peut tomber en dépression, même en dépression majeure. C'est parce que l'anxiété et la dépression, c'est intimement relié. Parfois, quand la personne a une dépression majeure, puis elle va se guérir de ça, ce qui va rester, ce sont les symptômes résiduels d'anxiété. Donc, pour le trouble d'anxiété généralisé, ben, premièrement, c'est le syndrome de what if. What if, ça veut dire et si? Et si je perdais ma job? Et si ma blonde me quittait? Et si j'attrapais une maladie incurable, le cancer? Personne ne voit vraiment les catastrophes. Puis ce qu'il faut faire en fin de compte pour la personne qui a un trouble d'anxiété généralisé, que tu as été diagnostiqué par un psychiatre ou par un médecin, que ça dure 6 mois et plus. Donc, premièrement, c'est de prendre des tranquillisants. Des calmants. C'est de prendre aussi, parfois, il y a des antidépresseurs qui aident pour l'anxiété. Et c'est aussi le fait qu'il faut suivre une thérapie d'approche cognitivo-comportementaliste, là, si possible. Hein. Ça peut être aussi humaniste, mais ce qui fonctionne le plus pour le trouble d'anxiété généralisé, c'est la thérapie cognitivo-comportementaliste. Si la personne ne veut pas suivre des thérapies, mais la personne, en fin de compte, ce qu'elle doit faire aussi, c'est ce que les psychologues appellent, c'est de la restructuration cognitive. C'est ça ce qu'ils font. Ça veut dire de prendre chacune des pensées et de vérifier la validité, puis de la reformuler. Donc, la personne, mettons qu'elle trouble d'anxiété généralisée, elle voit le catastrophe, elle voit le pire. Donc, elle va voir, elle va dire, mon voisin m'a vu aujourd'hui, puis il ne m'a pas dit bonjour. Donc là, elle va sauter aux conclusions, elle va anticiper le pire. Hein? Donc, c'est des peurs irrationnelles, en fin de compte. Elle va dire, cette personne-là me déteste. Oui. Qu'est-ce que l'autre voisin avait dit de moi? Cette personne-là m'en veut. Okay? Mais là, il faudrait que cette personne-là va prendre sa cognition biaisée, sa façon de penser biaisée, irrationnelle, dysfonctionnelle, et qu'elle va la reformuler. Elle va dire, ben, peut-être ce voisin-là ne m'a pas vu. Peut-être qu'elle était distraite. Peut-être que si je lui dirais la prochaine fois bonjour, ben, elle va me dire bonjour. Puis la personne va dire aussi, tu sais, que ça peut arriver aussi qu'elle n'a pas entendu de bonjour, là. Oui. Donc, c'est vraiment de reformuler ça. Puis de se dire que ce n'est pas si grave que ça, mais c'est plus facile à dire qu'à faire, hein? Donc, voilà, pour ça. Puis aussi de vérifier combien de pourcentage que je pense que c'est vrai qu'elle m'en veut. OK? Mm-hmm. Donc, c'est ça, c'est de prendre nos pensées puis de les reformuler. Puis aussi, je pense aussi, c'est d'être aussi apaisant par rapport à soi-même, de se dire... D'être bienveillant. D'être bienveillant envers soi-même, puis de dire aussi, il y a toujours des gens pires que nous. Ça, c'est vrai qu'il y a toujours des gens pires que nous. Parfois, ça peut nous réconforter de penser cela. Donc, aussi d'être bien, de faire les activités qu'on aime, de ne pas se mettre trop de choses sur nos épaules, de dire que c'est correct de faire des erreurs, puis on en fait des erreurs, puis l'erreur est humaine, comme le dit Alexander Pope. Puis d'être bien entouré aussi, je trouve, par des amis, des membres de la famille, par un conjoint, une conjointe, etc. Donc, vraiment d'être bien, d'en parler. Parce que les gens qui n'en parlent pas, c'est ça ce qui cause des ennuis après aussi, là. Parce que les gens ont peur d'en parler, ils ont honte de ça, parce qu'ils vont dire, qu'est-ce que la personne va dire, qu'est-ce qu'elle va penser de moi, elle va penser que c'est un défaut, mais c'est parce que c'est que chaque personne a ses faiblesses aussi, hein, il faut accepter d'être humain. Tel qu'il est, c'est ça ce que j'ai écrit dans mon livre, chaque personne est unique, c'est la mosaïque humaine. Oui, parce que, comme tu le mentionnais, c'est sûr que si on garde ça à l'intérieur de nous, on va sentir beaucoup la solitude, on va sentir tout seul, parce qu'on va pas
comme vers les autres et de demander, ouais, évidemment, de l'aide. Oui, c'est ça. Puis aussi, j'ajouterais aussi, que si tu me permets, Nathalie, bien sûr, c'est que dans mon livre, La psychologie pour apprécier l'humain, il y a tout un chapitre sur la santé mentale et la psychopathologie. Donc, j'en parle aussi, comment on peut diagnostiquer quand c'est un trouble de santé mentale, parce que ça cause de la détresse psychologique, ça cause de la souffrance cliniquement significative et ça entrave les relations interpersonnelles, que ce soit des relations professionnelles, amicales, amoureuses, étudiantines. Je veux dire, si on est anxieux puis on n'est pas capable de se concentrer quand on a le trouble d'anxiété généralisée, on a des troubles de mémoire, mais on peut pas faire l'examen. Tu comprends-tu? Si on est irritable au travail, parce qu'on a le trouble d'anxiété généralisé. Donc, je pense que si on ne l'a pas vécu, ou si on ne peut pas se mettre à la place de l'autre en étant empathique, mais c'est vraiment difficile aussi de comprendre, hein? Oui, très, ouais, difficile, parce que on peut pas s'imaginer dans quel état la personne peut se retrouver, parce que c'est, ouais, un état qui est très difficile, moi, pour l'avoir vécu pendant 28 ans, très difficile à expliquer comment on se sent dépourvu, en, ouais, perte de contrôle et même l'impression souvent qu'on va en mourir. Ouais. Et moi, les outils, ça fait 25 années que j'aide les gens. J'ai écrit mon livre aussi, les 12 étapes. Oui. Et puis, j'ai développé les 12 étapes pour vaincre, pour se libérer des peurs phobiques. Ouais. Et pour moi, je dis aux gens, quand vous vivez de l'anxiété, c'est un signe que vous êtes une personne qui aime contrôler les choses, ouais, et que vous avez de la difficulté à accepter les choses comme elles sont. Ouais. On prend l'exemple du trafic ce matin. Ben, il y a des gens, je suis certaine que si, ouais, j'avais eu un micro puis que je me serais promenée de voiture en voiture puis demandé, ouais, est-ce que vous, monsieur, vous, madame, eh bien, il y en a qui auraient dit, là, je vais être en retard, là, ouais, bon. C'est ça. Et on aurait pu voir aussi des gens qui auraient dit, bon, ben, qu'est-ce que tu veux? Moi, je suis en train de méditer, je suis en train de lire ou d'écouter de la musique. C'est ça, mais Nathalie, c'est que pour le stress, c'est que ça, ce qu'on appelle comme le trafic aujourd'hui, c'est ce que les psychologues vont appeler, puis les auteurs en psycho, puis les chercheurs, ils vont appeler les tracas de la vie quotidienne. Oui. Donc, les tracas de la vie quotidienne, c'est le trafic, c'est l'adolescent qui met sa musique heavy metal, puis la mère est plus capable ou le père n'est plus capable. Puis c'est vrai que le trouble panique, c'est la peur de mourir, de devenir, mm-hmm, fou, là, etc., là, parce que c'est vraiment quelque chose qui est difficile, hein. Puis l'agoraphobie aussi, hein. Oui. La claustrophobie, etc. Et donc, lorsqu'on est dans de ce type-là, souvent, on a eu, oui, une mère, un père, on l'a, oui, appris. Ça, mais je pense que oui, on l'a appris, puis c'est aussi le côté génétique. Oui, la génétique. C'est que si notre mère a souffert de troubles d'anxiété généralisée, on a plus de chances d'en souffrir d'un trouble émotif comme le trouble d'anxiété généralisée. Donc, c'est aussi les problèmes de santé mentale, c'est à peu près 40-45%. Il disait que quand il y a un membre de la famille proche, ben les comme mère, père, frère et sœur, c'est plus le taux est plus que si c'était une cousine, une tante, une grand-mère, etc., ce qui est normal. Oui. Ouais. Alors, quand on est de ce type-là, c'est qu'on a appris et aussi on peut le porter dans notre génétique, oui, de notre... C'est vrai. Bon, ma génétique, eh bien, mon arrière-grand-père faisait des attaques de panique, ah, oui, mais à l'époque, on appelait ça le mal imaginaire. Oui, c'est ça. Et après ça, mon grand-père, ma mère, et c'est venu à moi, etc. Donc, on le portait en plus que je l'ai appris. Mais moi, parce que j'ai passé une partie de ma vie à faire que des recherches, à étudier et à comprendre la source des peurs, et ce que moi, j'ai découvert, eh bien, c'est qu'on apprend, la façon qu'on apprend à vivre nos émotions, eh bien, c'est selon ce qu'on va vivre, selon aussi notre physiologie, selon notre génétique. Donc, moi, j'ai appris à banaliser, parce que dans ma famille, c'était comme ça. C'était, oh, c'est pas grave, on met ça de côté. Et aussi, à pas être capable de s'exprimer, de pas demander. Donc, un peu de jouer, si on veut, à pas à l'autruche, mais à jouer au caméléon, pour, oui, plaire aux autres. Et j'ai remarqué que les gens qui sont beaucoup dans l'anxiété, ce sont des personnes qui ont beaucoup le besoin de plaire, oui, et d'être aimées. C'est vrai. Et c'est des grands besoins. Alors, quand ils deviennent anxieux, eh bien, ils veulent être certains d'avoir la réponse. Comme, on va prendre des cégepsiens qui s'en vont, bon, pour un examen. Ben, eux autres qui veulent d'avance sont toujours dans le futur.
Le futur, bon, je vois-tu, ça va-tu réussir, ça va-tu marcher, puis là, je vais-tu être correct, puis d'un coup, je rate mon examen. Donc, ils sont dans le passé et dans le futur à longueur de journée. Le moment présent pour eux est très, très peu présent. Alors, ça devient, c'est sûr que si on vit toujours passé-futur, eh bien, c'est très insécurisant. Ouais. Et ça amène, évidemment, à rien faire. Donc, c'est des gens aussi qui vont mal, ils seront pas trop bienveillants envers eux-mêmes. Oui. Hein, ils vont comme, oh, c'est pas grave, je dînerai à 3 heures. Je vais étudier jusqu'à 4 heures du matin. Ça, c'est pas grave. Donc, ils vont avoir comme un petit peu une négligence, une malveillance envers eux-mêmes. Les besoins de base ne sont pas des fois tout à fait bien respectés. Et moi, j'ai remarqué, Alex, là, que lorsque j'avais une personne, je regardais son niveau de fidélité envers elle-même et ça me donnait son degré de sécurité qu'elle pouvait avoir, sa sécurité intérieure. Ouais. Donc, plus on est infidèle, c'est-à-dire plus je veux plaire, plus je veux être bonne, plus j'ai peur d'être à la hauteur et plus je veux contrôler, plus je vais faire de l'anxiété, évidemment. Et moi, comment j'ai fait pour arriver à travailler l'anxiété? Parce que mon anxiété était très élevée. Et bien, ce que j'ai fait, alors je me suis dit, bon, OK, Nathalie, bon, là, tu t'inquiètes pour... j'entends rien. Est-ce que tu m'entends bien? Parce que moi, j'entends rien. Ah, je t'entends oui? pas dans mes écouteurs, je t'entends rien, là. Je t'entends comme si tu me parlais dans mon salon. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Ben là, je comprends pas. OK, c'est correct. C'est bon, mais moi, je n'entends rien. Je t'entends comme si tu étais dans mon salon, mais je n'entends rien dans mes écouteurs. Là, on a comme un bug, je pense. OK, mais est-ce que tu m'entends en onde? Oui. Tu m'entends? Oui, moi, je t'entends dans les écouteurs, mais toi, tu m'entends plus? Ah non, je t'entends pas. Mais c'est pas grave, on va voir ça à la pause. Et là, j'ai vraiment un bug, hein? Ben, j'imagine. En plus que moi, tu sais, mon photographe était supposé d'être là, mais il n'est pas venu non plus, donc là, ça tombait comme ça. Mais, et vraiment, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, Alex. Ouais, je comprends. Oui. Mais toi, tu m'entends en onde, là. Moi, je t'entends. OK, c'est correct. Bon, on va voir ça à la pause, là, c'est correct. On peut continuer. Là, mais... Oui, mais c'est ça. Est-ce que je peux continuer pareil? Oui, continue, c'est ça? Ouais, Alex. Oui, c'est ça. Donc là, c'est ça. Donc, c'est vrai que la personne qui a le trouble d'anxiété généralisée parce qu'elle veut être aimée par tout le monde. Elle veut pas faire d'erreurs puis elle veut plaire à tout le monde, en fin de compte. Elle veut que tout le monde soit satisfait. Mais dans ce cas-là aussi, parfois, elle s'oublie elle-même. Hein? Elle oublie aussi ce qu'elle voudrait, en fin de compte. Puis, en fin de compte, elle se met à la merci des autres. Là, que tout le monde, que tout soit parfait pour les autres aussi. Hein? C'est la personne aussi qui voudrait être parfaite, la parfaite épouse, la parfaite, je sais pas trop, tout à fait. Collègue de travail, la parfaite mère, là. Parce que c'est ça ce qui arrive, hein. Donc là, elle se donne. Les gens qui souffrent d'anxiété, ils ont de la difficulté à se donner le droit à l'erreur. Oui. Donc, ce sont aussi les perfectionnistes. Parce que les perfectionnistes, c'est l'anxiété de performance. C'est la performance qui n'est jamais atteinte. Donc, ils sont toujours en situation d'échec. C'est ça ce que disait Germain Duclos, qui est psychoéducateur très connu dans le milieu, là. Donc, il faut en parler de l'anxiété chez les cégepiens, chez les jeunes, certains, ça commence, hein. Et toi, Alex, est-ce que tu as déjà été anxieux ou vécu des périodes de ta vie? Ça dépend, tu sais, c'est parfois c'était difficile aussi, veux pas, les circonstances de la vie, ça fait en sorte que, tu sais, que ça soit au travail ou quand j'étais à l'université parfois pour les examens, tu sais, parfois on vit des choses aussi qui sont difficiles, donc je pense que veux pas, on le vit à un moment donné. On le vit à un moment donné avec les gens de notre entourage, là, surtout au niveau du travail, parce que, tu sais, moi, je peux te le dire, je peux te le confier que c'est très difficile. Moi, je trouve que c'est difficile d'enseigner. Oui. Ça fait 17 ans que j'enseigne. Le 24 janvier qui s'en vient, là, dans 7 jours, là, ça va faire exactement, dans une semaine, ça va faire exactement 17 ans que j'enseigne. Puis parfois, oui, c'est difficile d'enseigner parce que veut pas, on veut que les étudiants réussissent, on se donne à 110%.
Et parfois aussi, on n'en reçoit pas autant de nos étudiants que de ce qu'on donne aussi. Oui. J'avais remarqué ça la session dernière, en fin de compte, ce qui m'avait un petit peu déçu. J'ai donné beaucoup de moi. Et parfois, moi, j'écris ça dans mon livre. J'aime enseigner, mais eux apprécient-ils? Exactement. Et je me suis inspirée du livre « Moi, j'enseigne, mais eux apprennent-ils? Mm-hmm. » Et ça, c'était écrit par Michel Saint-Onge en 1993. Puis, je me rappelle, il y avait une de mes étudiantes la session dernière, elle dit « Oui, on vous apprécie, même si vous ne le démontrez pas. » Donc, on ne peut pas plaire à tout le monde non plus. Là, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Effectivement. Donc, je pense que... Ouais. Alors, ben oui. Et qu'est-ce que... Bon, toi, là, vu que tu étais professeur au cégep, qu'est-ce que tu rencontres comme... problématique chez les jeunes, on parle d'anxiété et tout ça. Là. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'eux vont te dire ou est-ce que toi, tu le perçois? Oui. Mais moi, ce qu'ils vont me dire, par exemple, c'est sûr que ce qui me révèle dans mon bureau, si jamais ils se révèlent, ça reste confidentiel, mais veut pas que ça soit moi ou que ça soit les autres profs ou que ça soit l'intervenant psychosocial au cégep de Saint-Laurent, ben, les choses qu'on rencontre, en fin de compte, ça serait quoi? Ça serait qu'ils vivent une rupture amoureuse, ça donne beaucoup d'anxiété. Ils sont pas capables de se concentrer en examen parce que leur chum ou la blonde, leur blonde les a laissés, ou parce qu'ils ont laissé leur chum ou leur blonde. T'sais, donc, ça, c'est pas capable. Ils vont commencer à pleurer, ils vont dire comment je vais faire l'examen. Ça arrive au cégep aussi. Puis, veut pas, il y a l'anxiété de performance, de réussir. Ils veulent avoir la meilleure note. Ils veulent aussi avoir le meilleur prof, le professeur parfait. Ils veulent être leur propre perfection. Ils vont vivre l'anxiété, mettons, tu sais, des performances, même s'ils sont dans des activités sportives telles que le hockey, par exemple. Et aussi, ce que je peux dire, c'est que ils ont aussi de l'anxiété par rapport à ce qu'ils veulent faire dans le futur. Donc, exemple, qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas quoi faire. Dans quelle branche je devrais y aller? Et aussi par rapport à leurs parents, parce qu'ils ont veulent pas des parents qui sont exigeants, qui veulent voir leurs notes, qui veulent qu'ils réussissent beaucoup. Ça dépend aussi dans quel domaine qu'ils sont en soins d'infirmiers ou qu'ils sont en technique policière, etc. Donc, veulent pas, ils vivent beaucoup d'anxiété. Moi, je vais parler, par exemple, des médias sociaux. Hein. Tout est sur Facebook. Parfois, il y a des dislikes. Hein. Il y a des likes, puis il y a les dislikes. Il y a aussi, parfois, de la cyberintimidation qui peut être difficile aussi pour nos adolescents à vivre. Hein. Donc, ça cause d'anxiété. Ils ont leur chum ou leur blonde, mettons, qui souffrent d'un problème quelconque. Donc, je pense qu'aussi parce que les relations interpersonnelles sont compliquées et déroutantes, mais peuvent être aussi nourrissantes et enrichissantes. Tu sais, on parle de la danse de la performance. Là. Moi, je l'appelle la danse de Saint-Guy. Oui, je comprends. La danse de Saint-Guy qui nous fait danser sous la culpabilité, sous la critique, sous l'auto-sabotage. Et on embarque là-dedans. Puis là, on se compare. Puis aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, hein, on les nommera pas, mais on va se comparer. Puis là, on va voir la vie des gens beaucoup plus belle que la nôtre. Puis là, on va dire, hey, elle part en voyage, elle fait ça. Ouais. Puis là, elle s'est achetée une nouvelle maison. Puis là, on se diminue. Puis, évidemment, on se coince. Puis là, on commence à se mettre de la pression. Alors que pour sortir de cette fameuse danse de la performance, eh bien, moi, j'aime mieux danser sous la simplicité. Ouais. La simplicité nous ramène à dédramatiser, à rapetisser, à ramener ça dans le moment présent et à accepter aussi les choses telles qu'elles sont, donc à accepter ce qui est. Donc, c'est sûr que c'est beaucoup d'éducation. On vient pas au monde avec un manuel d'instruction qui nous dit « voici comment l'être humain fonctionne ». C'est à nous d'aller chercher des informations, des outils, tout comme toi, tu enseignes. Oui. Bon, alors, c'est d'aller chercher pour apprendre à connaître le fonctionnement d'un être humain.
Oui, et il y a aussi des organismes, par exemple, il y a Revivre, je ne sais pas si tu as entendu parler, oui, de Revivre qui donne des outils, il y a des groupes de soutien, donc ça, ça peut être important, c'est en groupe aussi d'en parler, parce que la première chose de sortir de l'anxiété, c'est aussi la personne qui peut être dans le déni, hein? Oui. Donc, de dire, je m'appelle, je suis, je sais pas, Annie, par exemple, là, puis je souffre de troubles d'anxiété généralisés. Puis les gens ont de la difficulté à se confier aussi, parce que ils ont, tu sais, on a toujours la peur du jugement des autres, hein? Oui. Qu'est-ce que les gens vont dire de nous? Qu'est-ce qu'ils vont penser de nous? Etc. Puis il faut le dire aux gens à qui on a confiance. Ça, ouais, c'est certain qu'ils vont le garder pour soi. Mais j'aime bien, Alex, tu mentionnes le déni. Alors, ça en fait partie parce qu'on dit pourquoi les gens vont souffrir d'anxiété ou bien dans la façon de vivre nos émotions. Pour moi, la conséquence des peurs, des mal-être, angoisse, anxiété, phobie, TOC, c'est mes émotions, non pas qui sont la cause, mais c'est la façon dont c'est je vis. C'est JMD. Donc, ouais, si je suis quelqu'un qui a tendance à renier, à banaliser, ouais, à faire du déni, ouais, et moi qui ai fait une carrière dans les peurs, je passais mon temps à me dire et à dire aux autres, c'est pas grave, oh non, c'est pas grave. Les gens me disaient, ouais, mais Nathalie, ça te dérange, ouais, pas? Non, ça me dérange pas, c'est pas grave. Donc, je faisais beaucoup de déni, ouais, et la conséquence de dénier, de banaliser, eh bien, ce sont les peurs. Donc, ce, ouais, sont l'anxiété. Mais c'est ça, Nathalie, ce que tu nommes, c'est qu'il y a le déni. Le déni, c'est le fait de refuser de croire à la réalité, de l'admettre. Donc, c'est la personne qui ne veut pas avouer, puis l'avouer aux autres qu'elle a le trouble d'anxiété ou qu'elle a d'anxiété sociale, par exemple. La personne peut vivre aussi le trouble panique, l'agoraphobie, comme on disait. Puis, il y a aussi le fait de banaliser. Banaliser, c'est de donner des rationalisations. Ben, c'est pas si grave que ça. Donc, il, oui, y a les deux mécanismes de défense que tu nommes, en fin de compte, qui sont intimement reliés, hein. Ben oui. Ça va de soi, là. Donc, c'est comme ce n'est pas si grave que ça. Puis, la personne a peur de voyager à l'extérieur du pays. Donc, elle va donner des rationalisations. Oh, j'ai pas le temps, j'ai pas les moyens financiers, mais elle veut pas se l'avouer elle-même aussi. C'est du déni, hein. Qu'elle a peur de prendre l'avion. Puis, il y a aussi les gens qui ont la peur de prendre l'avion, là. Puis, il y a des gens qui ont peur. Il y a les phobies, on n'a pas parlé encore des phobies, hein? Non. Tu sais, les phobies spécifiques, hein? Par on va en parler ouais, après la pause, okay, parce qu'on, parfait, on doit aller à la pause. Est-ce que ça marche maintenant, Nicole? Alors, tout, écoutez, aujourd'hui, mais c'est ça, Alex. C'est le tracas de la vie quotidienne là, qu'on vit, là, même en studio live. Là. Ben, exactement, c'est la beauté de la chose. C'est parce la beauté que, de la chose, on met ça c'est en réel, comment on vit là, en pratique. On est vraiment en train de voir. Oui, on est vraiment en train de voir si, ouais, on intègre ce qu'on est en train d'enseigner. Ouais, c'est ça ce qui est bon quand on l'enseigne puis quand on le vit, ben, les gens nous voient puis ils comprennent aussi. Oui, parce que on enseigne, alors ça vient vérifier si est-ce que je suis capable de faire face à tout ça. Je pense qu'on a toujours la force puis on a le courage, puis je pense que ce qui nous tue pas nous rend plus fort, j'écris ça dans mon livre. Puis on a la résilience aussi, hein. La, oui, résilience, c'est qu'on a comme toi, Nathalie, je suis vraiment content que tu t'en aies bien remise là. Félicitations vraiment pour Mais ton merci. Cheminement, pour ton accomplissement aussi, puis c'est le fait d'avoir vécu comme tu l'as vécu et de la partager et d'aider les gens puis donner des outils, c'est génial ce que tu fais, je te félicite. Mais chapeau. Merci. Puis vraiment, ouais, vraiment là. Alors, on va à la pause. Oui, bien sûr. Si on y va. Oui, c'est correct. Et au retour, eh bien, on continue. On va parler de si vous avez des questions, le 418-903-5969. Et on va parler, évidemment, de phobie spécifique, d'agoraphobie. Oui. De TOC aussi, oui, d'hypochondrie. Oui, le TOC, il ne faut pas en parler. Le TOC, ouais, oui, parce que c'est quelque chose. Mais c'est quelque chose, la, hein, pensée le TOC, intrusive. Là. Ouh, c'est difficile, ça, le TOC. C'est très difficile et les gens souvent vont dire, ben oui, mais t'as juste à pas penser à ça. Voyons, tu sais bien que ça n'existe pas. Non, ça ne fonctionne pas. C'est un vrai martyr, ça. Tout à fait, ouais, comme ça. Donc, restez avec nous. Au retour, eh bien, on continue dans le domaine des peurs et parfait, des phobies. Parfait, ça me convient. Donc, dis-moi tes peurs, oui, et je vais faire une parenthèse. En fin de semaine, il y a le Salon Bouge, donc vendredi, samedi et dimanche au PEPS de l'Université Laval. Moi, j'y serai, ceux qui voudraient venir me rencontrer, alors j'y serai pour justement la promotion de la station. Vendredi matin, moi, je suis là de 9h à 2h, donc ça va me faire plaisir de vous rencontrer. Alors, c'est toute la fin de semaine au PEPS de l'Université Laval. Donc, juste avant d'aller à la pause, on a parlé évidemment de l'anglais.
l'anxiété. Oui. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour s'aider lorsqu'on en souffre? Moi, je mentionnais beaucoup d'aller apprendre à vivre ses émotions. Oui. Parce qu'on n'apprend pas ça sur le tas et on ne nous le montre pas en arrivant au monde. Et l'émotion, eh bien, c'est quelque chose de très important parce que l'émotion porte en elle un besoin. Et mon besoin, eh bien, c'est comme le besoin de manger, boire, dormir. Donc, si je mange pas, je vais avoir des conséquences. Eh bien, si je ne vis pas mon émotion, qui est, par exemple, de prendre ma place, de m'exprimer, de dire à mon patron, j'en ai assez de ça, d'aller chercher aussi des outils. Donc, si je ne suis pas en contact avec mes émotions, malheureusement, c'est comme si j'habitais dans une maison, mais que j'habitais carrément au grenier et que jamais je ne saurais ce qui se passe dans ma maison. Et un matin, je peux me lever, puis la maison est prise en feu, puis je me demande comment ça, comment se fait-il? C'est tout simplement parce que je ne l'habite pas. Donc, l'anxiété va nous amener, si on ne le vit pas, si on vit pas nos émotions, si on n'habite pas notre corps, si on ne sait pas ce qui se passe, eh bien, ça va m'emmener dans l'angoisse, qui est beaucoup plus élevée, l'angoisse. Hein? Oui, c'est l'angoisse, crise de panique. Là. Oui. C'est là qu'on a vraiment l'impression, Alex, qu'on est en train de virer fou, puis on se dit, ça y est, je vais faire une crise de cœur. La peur de perdre le contrôle. Oui, beaucoup, beaucoup, parce que la peur de perdre le contrôle, c'est l'impuissance et c'est surtout le sentiment de ne pas être à la hauteur. C'est sûr. J'ai l'impression que j'y arriverai jamais. Et on s'en va vers l'agoraphobie. Les gens qui souffrent d'agoraphobie, eh bien, toi, j'imagine, tu as dû côtoyer dans tes élèves. Je ne l'ai pas vu chez mes élèves, mais je connaissais quelqu'un que lui souffrait d'agoraphobie. Puis c'était une de mes connaissances. Puis je me rappelle, c'est qu'il voulait aller au centre-ville, puis on était supposé, je pense, d'aller magasiner. Puis, il avait peur de sortir de chez lui. Ça, je me rappelle, c'est ça, l'agoraphobie. Oui. Puis là, je me rappelle, c'était... il sortait pas beaucoup de chez lui. Puis, il travaillait pas trop. Puis là, c'est que j'ai été là, j'ai attendu. Puis là, je le vois. Mais il voit, quand il me regarde, puis il a peur de sortir de chez lui. Ah oui? C'est comme, j'étais là, j'attendais. Là, il fait des allers-retours. Des allers-retours, ça a pris comme 5 minutes. Mm-hmm. Tu sais, comme il y a la vitre, là. Puis c'était dans un condo, je pense. Puis là, il avait peur de sortir de chez lui. Puis là, ben c'est parce qu'ils ont besoin aussi d'être accompagnés, ces gens-là. Donc, je l'ai vu chez cette personne-là. Il m'avait dit, je souffre d'agoraphobie. Puis il dit, Dieu soit loué. Il dit, l'autobus, la station de bus, le stop de bus, là, juste à côté de chez moi pour aller au travail. Parce qu'ils ont peur de marcher d'or comme ça. Oui. L'agora provient du mot latin agora, qui veut dire place, phobie. Donc, la phobie de prendre sa place. Et souvent, les gens pensent que l'agoraphobie, c'est la peur de la foule. Ouais. Mais ce n'est pas ça. C'est vraiment... Les gens peuvent avoir des symptômes dans la maison, partout. Et c'est vraiment en lien avec la peur de prendre sa place dans la vie. Ouais. Et les gens se retrouvent souvent, moi j'appelle ça, dans les bottines des autres. Oui. Donc, alors on doit apprendre à rester dans nos bottines. Je reste dans mes bottines parce que c'est des gens qui ont peur de déplaire beaucoup. Moi, je suis une ex-agoraphobe et j'en étais toute qu'une. Oui, je comprends. 28 années d'agoraphobie, génial. C'était quand même beaucoup. Alors tu vois, toi, t'en as côtoyé et c'est ça. Ouais. Hein, la personne a peur de sortir. Là. J'ai attendu 5 minutes. Puis je me suis dit, non, je vais attendre. Je veux dire, jusqu'à un moment. C'est génial quand on est capable de survivre à ça, de s'en remettre de ça. Oui. Donc, aujourd'hui, à l'émission, on se dit le thème, est-ce que c'est possible de se libérer de tous ces troubles qu'on a énumérés? Est-ce que c'est possible de se libérer? On n'a pas parlé du TOC. On va-tu en parler après? Oui, on va parler du TOC. Alex, c'est comme un petit enfant, là. Alors, est-ce que c'est possible de se libérer, de se sortir de ce mal-être? Eh bien, moi, je peux vous dire, en toute connaissance de cause, avec ma grande expérience, je peux vous dire que oui, absolument, parce qu'aujourd'hui, je ne souffre plus de TOC, d'hypochondrie, d'agoraphobie et non plus de phobie sociale, parce que moi, j'ai eu la totale, là, si on veut. C'est la raison pour laquelle je suis une experte aussi dans le domaine. Donc, oui, c'est possible. Ouais. Oui, c'est possible. Puis l'hypochondrie, c'est en fin de compte la personne qui va voir qu'on parle du cancer à la télé, puis elle va penser « j'ai le cancer ». Oui.
Donc, c'est vraiment difficile d'avoir des traits. Puis, on a les traits hypochondriaques quand on souffre d'anxiété ou du trouble d'anxiété généralisée. Là, parfois, on l'a aussi. Oui, c'est possible de s'en sortir. Ça, c'est certain. Mais ça prend du temps aussi. Hein? Exactement. Ouais. Écoute, moi, j'ai Alex, c'est bien que tu le mentionnes parce que des fois, les gens voudraient que ça soit demain ou hier. Yeah. Et moi, ça m'a pris 28 années. Mais oui, c'est sûr. Alors, pour moi, c'est de dire la réussite, c'est la continuité. Ouais. Donc, je continue un pas à la fois et puis de ne pas se mettre de la pression en plus d'en avoir déjà qu'on s'en met, ne pas s'en remettre pour se libérer de ça en plus. Je pense que oui, puis ce qui aide pour les problèmes de santé mentale, là, que ce soit anxiété, même dépression, pour l'anxiété, c'est le temps et le soin. Donc, le temps arrange les choses, puis de prendre soin de soin, puis de se faire plaisir, par exemple, de prendre un bain chaud avec des chandelles, de regarder la télévision, de dire, là, c'est du temps pour moi, puis je veux oublier, puis je mets la sonnerie de mon cellulaire off pour les gens qui textent à 11h le soir, là. Je regarde la télé, je suis tranquille, je ferme le téléphone chez moi, mon cellulaire. Puis moi, je regarde la télé pendant 2 heures, le film, puis je veux aller au cinéma tout seul. Oui, je peux y aller. C'est correct d'y aller aussi parce que je veux du temps pour moi. Je prends soin de moi parce que je suis la personne la plus importante, en fin de compte. Oui, effectivement. Ouais. Donc, de développer la bienveillance envers soi parce que moi, avec mes recherches, j'ai vraiment... les statistiques, pour moi, sont très élevées de gens qui souffrent de ce mal-être. Ce sont des gens qui sont malveillants. C'est là, ils sont souvent leur pire ennemi. Oui, je sais. Puis, José Boudreau qui avait écrit le livre « Sois ta meilleure amie, puis sois ta meilleure amie encore ». Puis, on connaît aussi l'histoire de le récit de vie de José Boudreau qui a survécu à un AVC, là, puis aussi, elle a souffert des dysphasies, là. Je veux dire, elle a survécu, mais c'était difficile. C'est difficile, elle a une grande capacité de résilience. Oui, c'est de la résilience, certain, sans hermie. Je comprends. Ça va de soi, là. Oui, ça, c'est sûr. Donc, d'être son meilleur ami et non pas... Est-ce que ça nous tenterait d'embarquer? Mettons, Alex, là, cet après-midi, là, tu embarques en voiture avec un bourreau. Et le bourreau, dès que tu t'installes dans la voiture, il te dit, écoute, monsieur Alex, vous ne mangerez pas de la journée. Après ça, vous ne dormirez pas. Puis lorsque vous allez vous reposer sur un lit d'épines. Et puis, vous allez travailler et je vais vous fouetter. Alors, est-ce que ça te tenterait de t'en aller en voiture avec une personne? Non, ça ne me tenterait pas du tout. Non. Pas du tout. Alors, souvent, les personnes qui vivent ce mal-être, et c'est vraiment, aujourd'hui, c'est mon message un peu que je veux lancer, c'est observez-vous. Est-ce que vous êtes votre pire ennemi, votre pire ami, ou vous êtes tout simplement bon envers vous-même? Mais je suis certaine que si vous êtes bienveillant, vous prenez bien soin de vous, je serais très surprise de voir que vous faites des crises de panique, de l'agoraphobie, parce que ça ne va pas ensemble. Puis aussi, ce que toi, tu avais fait, Nathalie, puis les autres aussi, c'est ce qu'on appelle en psychologie de l'empowerment. Mm-hmm. Ça veut dire de devenir autonome et de prendre le pouvoir sur sa vie. Et oui. Parce que c'est moi qui décide, puis c'est moi qui veux aller mieux. Tout à fait. Ça, c'est vrai. Parce qu'à un moment donné, tu sais, la personne, elle se laisse aller, mais à la fin, là, toute fin, là, c'est parce qu'elle va, elle va devoir se prendre en main. Puis c'est juste elle qui peut changer, hein. On peut pas changer les autres, là. On peut se changer juste soi-même. T'as tout à fait raison. Il y a personne qui peut dire, bon, ben là, garde, fais ci. Et tu sais, moi, je dis souvent un conseil non sollicité devient un contrôle. Ouais. Alors, si on n'a pas sonné à la porte, est-ce qu'on va répondre? Non. Ouais, alors, ça. Quand on s'en va donner des conseils à quelqu'un qui ne nous l'a pas demandé, eh bien, ça devient intrusif. Puis moi, ça me fait tellement du bien aujourd'hui d'être ici, de parler de santé mentale en passant. Oui. Parce que j'ai eu des entrevues de radio, puis je n'ai pas beaucoup parlé de santé mentale, mais c'est bien d'en parler parce que, tu sais, la maladie mentale peut faire mal, peut faire peur. Oui. Elle fait mal aussi, puis elle fait peur, elle peut faire peur, mais elle ne devrait pas faire peur aussi. Non. Il faut vraiment démystifier. Tout à fait, parce que c'est le but de l'émission « Dis-moi tes peurs ». Mais oui. Eh bien, c'est une émission justement d'écoute et d'outils et d'informations. Puis la peur la plus commune que les gens ont, c'est la peur de l'inconnu.
Oui. La peur de l'inconnu. Puis, tu sais, quand on était enfant, là, on parle des adolescents, là, puis des adultes, là. Mais quand on était enfant, là, on avait la peur du noir, par exemple. Oui. Puis, je me rappelle que, tu sais, j'avais amené. Il y avait une. Non, mais c'était une psychologue, en fin de compte, du développement, qui avait donné une conférence sur les psychopathologies à l'enfance. Puis, elle disait prenez tous les peurs que les gens ont, puis, en fin de compte, reformulez ces peurs-là. Puis faites-le en positif, par exemple. Tu sais, la peur de la peur du noir, mm-hmm. ben ça devient... Tu sais, la peur du noir, il y a des gens qui ont peur d'aller au cinéma parce que tout est noir, là. Hein? Oui. Donc là, ça va être comme le mystère, là. Donc, prendre ces peurs-là, puis de le reformuler parce que les gens ont ces peurs-là, en fin de compte. Ça commence quand on est enfant, hein? En fin de compte, oui. La peur de son ombre. Donc, comme on dit, là, ça commence quand on est enfant, puis ça devient quand on est ado, puis adulte, parce qu'on est qui on est. Si on a été une personne, un enfant anxieux, puis un adolescent anxieux, puis on va devenir un adulte qui est anxieux. Puis, tu sais, il y a aussi les gens qui ne comprennent pas et qui nous jugent parce qu'ils sont pas dans nos ciliers, parce qu'ils ne comprennent pas. Et même si on leur dit, mais ils l'ont pas vécu. Puis c'est pas tout le monde qui est sensibilisé aux problèmes de santé mentale non plus, hein? Non. Parce que, tu sais, moi, c'est ma branche, c'est la psycho. Mais quelqu'un d'autre, là, il voit ça, mais il comprend pas, en fin de compte. Non. Parce que quand on disait tout à l'heure, bon, dès l'enfance, l'enfant va vivre anxieux, va vivre des choses. Eh bien, comme c'est vraiment beaucoup d'éducation aussi, d'apprentissage. Ouais. Et on sait que les personnes ont une hypersensibilité. Tous ceux qui souffrent d'angoisse, d'anxiété, de phobie, de TOC, etc., ce sont des gens avec une hypersensibilité, donc qui vont vraiment être sensibles à tout ce qui les entoure, puis ils vont même connecter et détecter les humeurs des autres, les changements et tout ça, alors qu'une autre personne, lui ou elle, ne le verra plus. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand la personne a beaucoup d'imagination, et moi, on appelle ça, elle se fait des scénarios, des petites vues. Petites vues. Alors, c'est à un moment donné, comme on est scénariste, comme on est maître de nos scénarios, on est maître de nos petites vues, de nos films, eh bien, c'est d'aller mettre quelque chose de drôle. Moi, j'ai toujours mis de l'humour dans mes trucs. C'est génial, ça. Admettons, à un moment donné, ben, je me mets à chanter les légumes bolduc. Alors, je mets de l'humour et de changer le scénario, de le mettre au pire. Admettons que la personne anticipe, bon, ben, oh mon Dieu, j'ai manqué mon examen. Alors, l'examen, ben là, va dire, OK. Là, elle anticipe. Alors, elle le grossit. Ouais. Elle met ça gros, là, que là, ça y est, à tous les jours, elle manque son examen. Puis là, que le monde, ils ont fait un trophée, celle qui manque le plus son examen, puis qu'elle est rendue même à passe dans les journaux. Donc, on met ça un peu ridicule pour que... Et le cerveau ne fait pas la différence, lui. Ouais. Puis moi, je dirais aussi, les gens qui sont hypersensibles, ce sont les gens aussi qui ont... Je me rappelle, il y avait une conférencière, Karine Larocque, qui est psychologue d'approche humaniste, la psychologie du soi, là, estime de soi, etc., confiance en soi, actualisation de soi. Puis j'ai suivi sa conférence en soirée au Centre Saint-Pierre, au centre-ville de Montréal, puis c'était une conférence sur les émotions. Puis elle disait que les gens qui sont hypersensibles ont un entrepôt d'émotions. Donc, à un moment donné, là, c'est parce que leurs émotions, ils en ont jusqu'ici. Puis ensuite, on va leur dire comment ça va, puis elle va péter sa coche, va se mettre en colère ou elle va pleurer parce que les personnes hypersensibles, ils gavent, hein? Oui. On gave beaucoup de choses, surtout au niveau du travail, on ravale, comme elle disait, beaucoup de choses. Puis c'est ça ce que tu disais par rapport à nos émotions. Ouais. C'est qu'on emmagasine beaucoup. Moi, je me suis déjà vue à 70 ans. Il n'y a rien que j'ai pas fait, donc des petites vues. Et moi, je dis à mes clients, mettez-vous un thème, un titre, l'abandonner pour rire de ce thème-là. C'est pas pour rien que mon livre, c'est « Guérir de ses peurs ». Donc, faut en rire. Mais on se met même des thèmes. Là. Admettons, moi, parce qu'on reconnaît toujours nos mêmes scénarios. Là. Bon, ça y est, je vais avoir une maladie, je vais mourir, je vais me retrouver tout seul. Donc, on peut mettre... Quel titre on mettrait? Puis un titre loufoque, un peu. Et parce que la technique d'anticipation, eh bien, c'est une technique... moi, je l'ai apprise, ça fait plus de 25, même plus que ça, 30 ans. Alors, c'est une technique qui est pour désensibiliser. Donc, on le grossit, mais on le met toujours avec un côté ridicule à la fin, ce qui fait qu'on trouve ça drôle. Oui, mais c'est ça. Mais ça, c'est important parce que je vais juste dire qu'il y a Bruno Fortin
qui est psychologue dans le milieu hospitalier depuis plus que 35 ans. Puis Bruno Fortin, il a écrit le livre « Vivre avec humour ». Ah oui, je ne connais pas. Oui, Bruno Fortin, il est psychologue, là. Bruno Fortin est psychologue, il donne plus de conférences, par exemple. Il a écrit « Vivre avec humour ». Puis moi, j'ajouterais aussi « Enseigner avec humour ». Puis moi, j'enseigne avec humour aussi, hein. Mm-hmm. Il faut aussi dédramatiser. Ça va de soi. Là, je mets de l'humour dans ma classe. J'ai un bon sens l'humour, en fin de compte, là. Ouais. Oui, parce qu'on s'entend, sinon ça devient plate à écouter. Hein? Oui, c'est ça. Mais tu sais, les humoristes font ça aussi. Hein? Mm-hmm. Avec l'humour, là, ça va de soi. Là. Ouais. Oui. Donc, on parle de d'agoraphobie, de TOC, oui, le Alex. TOC, oui. Le TOC, ce qui est une pensée intrusive. Pour les gens qui nous écoutent, tu te dis, c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Ouais. C'est le trouble obsessif compulsif. Ouais. Donc, c'est une pensée qu'on appelle intrusive. C'est ça. Donc, le TOC, le trouble obsessif compulsif. Une obsession, c'est quoi? Une obsession, c'est une idée récurrente, intrusive, qui se passe dans la tête au niveau cognitif, au niveau intellectuel, dont on a de la difficulté à contrôler. Donc, ça peut être l'obsession de la propreté. Ça peut être un autre type d'obsession. T'sais? Et ça, ce sont des pensées récurrentes qui reviennent dans la tête qu'on a difficulté à contrôler. Et là, ce qui vient après, habituellement, c'est la compulsion. Puis la compulsion, c'est un comportement répétitif qui a lieu pour pouvoir annuler l'obsession. Donc, si j'ai l'obsession de la propreté, okay, il faut que tout soit propre. Il faut que tout soit propre. La compulsion, ça va être de me laver les mains, mettons, 50 fois par jour, là. Parce que c'est un comportement, c'est-à-dire un geste, une action ou réaction observable et mesurable d'un organisme en lien avec son environnement. C'est dans le livre Psychologie en direct, deuxième édition. Puis, c'est un comportement, c'est un geste que l'on voit de se laver les mains. On peut regarder cette action-là que l'on voit, et cette action-là de se laver les mains, ça annule l'obsession qu'il faut que tout soit propre. Donc, c'est ça le trouble obsessif compulsif. Écoute, il y en a des gens aussi qui ont des gants chez eux, qui ne sortent pas de chez eux. Là. Quand c'est un trouble obsessif compulsif qui est tellement fort, ils portent des gants chez eux et ne sortent pas là, de chez eux. Là. Donc, c'est vraiment, ça peut être vraiment très, quelque chose de très, très, très difficile à vivre. C'est très difficile parce que c'est le mot le dit, c'est obsessif, c'est 24 heures sur 24. C'est 24 heures, c'est un vrai martyr d'avoir des obsessions dans la tête. Puis il y a des gens aussi qui ont des obsessions puis qu'ils n'ont pas la compulsion. Mm-hmm. Puis je vais te donner un exemple, mettons le gars qui est hétéro, okay, qui est straight, mais qui a l'obsession, est-ce que je suis gay? Est-ce que je suis gay? Est-ce que je suis gay? Puis ça, là, c'est un martyr de penser ça, là. Oui. Ou est-ce que, l'obsession, est-ce que je vais tuer mon enfant? Est-ce que je vais tuer mon enfant? Est-ce que je vais faire mal à mon enfant? Est-ce que je vais faire mal à mon enfant? C'est une obsession, là. Et c'est très pénible, c'est là. C'est très pénible, là. Moi, j'ai eu des clientes qui ont eu les deux obsessions que tu viens de nommer. J'ai eu des clientes qui se dépêchaient à appeler leur mère pour dire « Vite, maman, viens-t'en, parce que là, il me vient des idées. » Et ma cliente m'avait téléphoné à l'époque, puis je lui avais dit « Rappelle tout de suite ta mère et dis-lui de rester chez elle, parce que sinon, tu viens de nourrir complètement quelque chose de faux. Et deuxièmement, tu viens de te coincer, donc tu vas toujours avoir besoin de quelqu'un avec toi pour élever tes enfants. » C'est ce qui est un non-sens. Non, et le TOC, moi, j'ai eu des gens en Europe beaucoup avec le TOC, et c'est du grand perfectionniste. Oui, c'est les grands perfectionnistes qui ont le TOC. Oui. C'est toujours les perfectionnistes. Il faut que tout soit propre. Il faut parfait. Que tout soit parfait. Il faut que tout soit génial. Il faut que tout soit à la perfection. Là. Il ne faut pas faire des erreurs. Il faut que tout soit dans l'ordre. Hein? Oui. Le trouble obsessif compulsif, là, obsession, il faut que tout soit rangé. Tout soit dans l'ordre. Donc, c'est ça. Il faut, comme tu disais, il faut que ces gens-là développent leur autonomie. Oui. Donc, ça, c'est important. Puis, oui, parfois, il faut léguer. Hein, quand on a le trouble d'anxiété généralisé, ben on va léguer. On va dire à son chum ou à sa blonde, « Peux-tu faire ça pour moi, s'il te plaît? » Parce que ça départir les tâches, là, mais à un moment donné, il faut que ce soit nous autres aussi qui les fassent. Mais oui. Ouais, c'est un vrai martyr. Le trouble obsessif compulsif, là, c'est vraiment les obsessions là, qui sont là, là. Mettons quelqu'un qui ne nous a pas dit bonjour, puis on va penser à « il m'en veut, qu'est-ce qu'il a entendu? Qu'est-ce qu'il a entendu de moi? » Mm-hmm. Comprends-tu? C'est des obsessions. C'est l'enfer. Et tu sais qu'il y a des médicaments pour ça, là. Oui. Il y a des médicaments qui des types d'antidépresseurs qu'on donne pour les obsessions quand c'est neurochimique.
Oui. Parce que parfois, même le trouble... Tu sais, c'est avec la TCC, là, la thérapie de, cognitivo-comportementaliste, là, d'approche cognitive behaviorale pour ces obsessions-là. Mais il y a aussi les médicaments que parfois les gens prennent pour le reste de leur vie quand ils ont des traits obsessifs. Oui, et moi, évidemment, ouais. qui a 25 années que j'ai vu beaucoup de personnes souffrir ouais. de TOC, j'en ai souffert également, ouais. eh bien, la personne... À chaque fois, et les gens qui écoutent puis que vous en vivez, ouais. observez lorsque vous avez un TOC, juste ouais. un petit peu avant. Juste avant de faire votre TOC, que ce soit une pensée intrusive ou compulsive, eh bien, observez la culpabilité, si vous venez ouais. d'avoir une culpabilité ou une pression pour être parfait, pour être à la hauteur, il y a quelque chose qui s'est produit. Ouais. Et je vais vous donner un exemple d'une de mes clientes qui, à un moment donné, bon, elle a deux jeunes enfants, puis ça pleure, puis elle est tannée, puis elle est fatiguée. Alors là, elle se dit dans sa tête, « Oh, que je suis tannée, puis que j'ai hâte qu'ils se couchent ce soir, j'ai hâte. » Et tout à coup, quelques instants plus tard, son TOC apparaît. Moi, je comprends. Alors, pourquoi c'est venu? C'est qu'elle a eu honte d'avoir pensé qu'elle avait hâte que ses enfants se couchent alors qu'il était tout à fait normal. Ben oui, c'est normal. Donc, c'est de voir. La culpabilité, hein? Oui. Est-ce que, je ne sais pas si je pourrais l'ajouter. Tu sais, quand on parlait de le trouble panique, là, tu sais que c'est la peur d'avoir peur, hein? Oui. Est-ce que tu as entendu parler du livre « La peur d'avoir peur » ? Oui. Oui, hein? C'est, oui. Il a été réédité, là. Oui. Il a été réédité. J'ai vu la collaboratrice, je l'ai croisée au Salon du livre de Montréal. Mais c'est vrai que c'est ça, la personne va se sentir coupable même, tu sais, de léguer les choses. Pis... C'est que la peur ouais. d'avoir peur, ouais. c'est la peur... de pas être à la hauteur. Oui, c'est vrai, tu as tout à fait raison. Quand j'ai peur ouais. de pas être à la hauteur, ouais. ça me fait peur. Ben, c'est certain. Alors, derrière toutes ces peurs-là qu'on énumère, c'est la peur de pas être à la hauteur, ouais. d'avoir peur. Mais n'oublie pas qu'on a ces peurs-là aussi par rapport à ce que les gens nous renvoient aussi, comme commentaires, comme reproches, comme critiques, là. Tu comprends-tu? On vit de l'anxiété parce que c'est par rapport aux gens aussi qui nous envoient. Oui, mais on ouais. doit apprendre justement c'est à ça. Le gérer. Excellent. On doit l'apprendre c'est à comme le gérer. Si, gérer ses émotions, etc. Oui. C'est certain. Si quelqu'un dit de moi que je suis poche comme animatrice, ouais. alors moi, oui, mais... je dois prendre la responsabilité de mon émotion parce que ça peut, un, ne rien me faire, ça peut me bouleverser, ça peut faire que je vais mettre ça de côté. Ouais. Alors, c'est à moi de dire, OK, qu'est-ce que ça vient me dire en moi? Qu'est-ce que ça vient me dire? Puis n'oublie pas, comme tu disais au début de l'émission, Nathalie, c'est l'affirmation de soi. Oui. Puis ça, c'est un des besoins groupes alimentaires de pyramide de Maslow, pyramide d'Abraham Maslow, qui est un humaniste, puis Karine Lara, comme je disais, la psychologue humaniste, elle disait qu'on a les trois groupes alimentaires de besoins, le besoin d'accomplissement ou de développement, le besoin d'affection, d'amour, d'affection, puis ce qui vient aussi avec l'appartenance là, de Maslow, puis c'est le besoin d'affirmation de soi. Puis je parle de l'affirmation de soi parce que n'oublie pas que quand la personne souffre d'anxiété, que ce soit le TAG ou le TOC, là, puis là, ben en fin de compte, c'est que là, la personne a aussi une faible estime de soi. Là. Puis l'estime de soi, ça veut dire qu'elle a une opinion négative, là, défavorable par rapport à ses compétences, elle pense qu'elle n'est pas bonne à ceci, à cela, etc. Donc, il faut qu'elle s'affirme. Puis quand je m'affirme, j'augmente mon estime de soi. Oui. Si quelqu'un te dit que tu n'es pas une bonne animatrice, puis tu vas dire, vraiment, tu vas te poser la question, est-ce qu'il y a du vrai, qu'est-ce que la personne dit? Parce que tu vas dire, non, c'est pas vrai, puis tu vas t'affirmer, tu vas dire, tu peux penser ce que tu penses, mais moi, je ne pense pas ça de ça, puis je sais que je suis une bonne animatrice. Ça, c'est ce qu'on fait, hein? On entend aussi les critiques parfois, là. C'est dans notre milieu professionnel, on l'entend, là. Parfois, ça vient nous chercher aussi, mais tu dois avoir une bonne affirmation de soi, puis une bonne estime de soi, dire, ça m'appartient, puis ça m'appartient pas. Ça, je peux changer, puis ça, je peux pas changer, puis je peux pas plaire à tout le monde. Puis il y aura toujours des gens qui sont insatisfaits. Oui, et on dit plus. Ben pour, oui. pour vérifier si mon jugement est lequel degré que j'ai de jugement envers moi-même, observez le jugement à l'extérieur de vous. Est-ce que vous êtes affecté autres, hein? par le jugement des autres? À combien de pourcents vous en êtes affecté? Et ça va vous donner votre degré de jugement envers vous-même. Quelqu'un qui ne se juge pas n'aura pas peur du jugement extérieur. Je ne crois pas que Dalai Lama ait peur du jugement. Ouais. Mais tu sais, le jugement, tu sais, moi, j'aime pas trop les gens qui jugent, parce que moi, j'aime pas juger. J'aime pas être jugé non plus. Mais il faut faire attention, ouais. Alex, sais-tu pourquoi? Entre, ben, pour moi, il y a un préjugé qui est de condamner. Oui.
Mais le jugement, pour moi, on doit en avoir, c'est un discernement. Oui, si, la perception, là, c'est tu parles, là. C'est ça. Tu sais, ce matin, si j'avais pas de jugement, je serais sortie peut-être en petite bobette, en short. Non, mais je veux dire, les gens qui te jugent, que ce que tu fais par rapport... comme ils jugent... C'est du jugement négatif, je pense. On peut plutôt parler de moi, parce que du jugement, il faut en avoir... pour moi, il faut que j'aie un discernement. Mais c'est, j'aime beaucoup quand on dit... un préjugé. Je juge sans savoir. Mettons c'est ça, les préjugés, je veux dire. Les préjugés, les gens qui ont des préjugés, c'est vrai ça. Ouais. Ils ont des préjugés. Puis ils te jugent sans te connaître, en fin de compte. Ils condamnent les autres. Ben, parce que, tu sais, la personne... Parfois, qu'est-ce qui arrive, c'est que avant que tu rencontres la personne, elle a déjà entendu des choses sur toi. Oui, tout à fait. Puis ça, regarde, ça marche pas. Là, ça joue sur la perception aussi, là. Tu sais, veux pas, puis... tu sais, on l'a vu aussi dans nos milieux de... Pas seulement dans nos milieux de travail, dans notre famille, avec la belle famille aussi, tu sais, c'est... Je pense qu'il faut être... Il faut se dire qu'on se donne le meilleur de soi, là, puis on fait ce qu'on peut, puis on fait son possible, hein. Oui, bien, tout à fait. Oui. Donc, parce que le juge qui ment, on dit... Il y a un adage qui dit, c'est toujours un juge qui ment. Le jugement, c'est toujours un juge qui ment. Pourquoi il dit ça? Ben parce que si moi, exemple, je te juge, si je te juge, donc ça veut dire que j'ai un jugement, donc c'est un juge qui ment, donc je suis en train de mentir sur toi parce que je me mens sur moi. C'est génial! C'est qui a dit ça? Je le sais pas. Mais c'est génial d'avoir dit ça, hein? Oui. J'aime beaucoup ça. Je vais partir avec ça aujourd'hui. Toujours là. Un juge qui ment, donc qui ment sur elle-même puis qui te l'envoie à toi. Ben oui. Alors, ouais, parce que c'est plus facile de mettre la faute sur l'autre, hein? Ah, ben oui, ça c'est très simple. Hein? C'est toujours la faute de l'autre, là. C'est la faute de telle personne, puis c'est la faute de mes parents. Puis tu sais, toujours les gens qui se séparent, ben c'est toujours la faute de l'autre. Oui. Mais je les comprends aussi qu'ils en veulent à leur ex, là, mais je veux dire, c'est toujours l'autre qui a fait ça, mais c'est parce que ça prend deux pour faire le tango, là. Ah, ben oui, on danse pas tout seul, le tango. On danse pas tout seul, là, donc c'est toujours, qu'est-ce qui m'appartient? Les humanistes le disent, qu'est-ce qui m'appartient puis qu'est-ce qui m'appartient pas? Oui. En fait, alors, on est déjà rendu, Alex, à la fin de l'émission. Oui. Hein, c'était très court. Ah oui, mais j'ai bien aimé. mais très intéressant. Ouais, j'ai beaucoup Et puis, aimé. Les gens qui veulent aller voir, justement, bon, tu es sur Facebook. Oui, donc là, Alex Saraf. Oui, c'est ça. Donc, ils vont sur Google, ils tapent Alex Saraf, S-A-R-R-A-F, puis ils vont aller voir page Facebook professionnelle d'écrivain. Oui. Donc, je suis sur Facebook, je mets mes posts, même mes vidéos. Puis, ils peuvent aller voir mes vidéos sur YouTube. Donc, ils tapent Alex Saraf sur YouTube. Ils peuvent faire des likes aussi, là. Oui. Donc, ça serait génial. Mais puis, oui. C'est certain. Donc, oui, ils peuvent me rejoindre de cette façon-là. Et le titre de ton volume? Oui, le livre a été publié en septembre 2017 par Béliveau Éditeur, que j'en remercie du fond du cœur d'avoir permis la publication de ce livre. Et je me permets de le mentionner parce que c'est un homme que j'aime beaucoup. La préface de Yvon Dallaire. Oui, Yvon Dallaire qui est venu ici, qui vient ici. Oui, régulièrement. Régulièrement, Yvon Dallaire, que je lui en remercie infiniment d'avoir écrit la préface du livre, puis avait dit que c'est du gros bon sens, puis que c'est un livre de vulgarisation, en fin de compte, qui est réussi. C'est ça ce qu'il avait dit. Donc, oui, donc, la psychologie pour apprécier l'humain. Puis le sous-titre, c'est « La vie est belle et simple ». Ce sont les gens que la rentrée, c'est compliqué. Béliveau Éditeur. Ils peuvent se le procurer sur Internet maintenant. BéliveauÉditeur.com, Amazon, Renaud-Bré, Archambault, Indigo, Parchemin. Ou ils s'en vont dans n'importe quelle librairie, que ce soit Renaud-Bré, Archambault, Indigo, etc. Dans n'importe quelle librairie, ça prend 5 à 10 jours ouvrables pour le commander, étant donné que ça fait plus qu'un an. Donc, c'est normal qu'ils l'ont retourné après un an. Ou voilà, puis c'est ça, là. Donc, ils peuvent m'écrire sur Facebook, hein, ceux qui veulent m'écrire sur Facebook, ça me fait plaisir. Puis, j'ajouterai aussi qu'en février, si tu me permets, en février ou en mars, je vais passer à la télévision, à Ici Télévision. Ah oui. Donc, ça a été enregistré le 17 décembre en studio au centre-ville de Montréal. Donc, ça va passer en février-mars. C'est le canal Ici Télévision. Puis c'est l'entrevue avec Kamal Benkiran, Arts et Lettres. C'est une entrevue de 30 minutes. C'est la première fois que je vais passer à la télévision. Puis c'est ça. Donc, je suis bien content. Puis j'espère... j'ai d'autres projets aussi, hein, en passant. Ah oui? Hein? Oui, je peux-tu t'en parler? Ben oui. Mais ça se peut qu'il y aurait un... Mais je sais, je croise mes doigts, là. Un club de lecture. Ah oui? Ça, j'aimerais ça.
Mm-hmm. Ça se peut que ça va se concrétiser. Je dis pas où, là, parce que je veux pas mettre... Tu sais, ça va être comme 10 personnes qui ont déjà lu mon livre et que ça soit moi qui anime le club de lecture, un book club. Ça serait génial. Puis même si c'est loin de Montréal, 2 heures de Montréal ou 3 heures, moi, j'irai. Ben si jamais oui. vous m'offrez la chance, là, je dis ça aux auditeurs, là, si quelqu'un m'offre la chance même d'aller à Ottawa pour pouvoir faire un club de lecture cet été, moi j'irai. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Conférence, je l'ai faite une fois au Centre Saint-Pierre. Je pensais me lancer là-dedans. Ça se peut, je ne sais pas encore, pour 2019, je vais voir. Mais un club de lecture, ça serait génial. Imagine-toi donc, l'auteur qui anime son propre club de lecture, ça serait comme un rêve qui se réalise pour ça moi, serait, un autre. Ben, là. Je comprends. Ouais, vraiment. Ben, écoute, Alex, merci beaucoup de ta venue. Mais oui. Merci pour ta belle simplicité, parce que tu as une belle simplicité. Merci. Et on se dit à la prochaine. Et je dis aux auditeurs, la semaine prochaine, évidemment, je vais mettre sur ma page Facebook pour faire le tirage de 3 livres de Alex Saraf. Et puis, c'est même toi qui paie les frais d'envoi. Oui, je vais envoyer les 3 livres de chez moi. Là. Donc, exact. Il va y avoir 3 gagnants. J'ai déjà fait... Il y a d'autres concours qui se font aussi, parce que j'ai beaucoup de livres chez moi. J'ai 60 livres chez moi qui me restent. Donc, je vais en donner, pourquoi pas, pour le tirage avec toi, ça va être 3. Bien, ça me fait énormément plaisir. Puis, merci de m'avoir accueilli. J'ai beaucoup aimé être aujourd'hui ici. Bien, merci, Alex. C'est un plaisir pour moi. Parfait. À bientôt. Et chers auditeurs, écoutez, on se dit encore une fois, on s'embrasse, on se dit bon week-end. Et on se dit à jeudi prochain. Ne manquez pas l'émission. Jeudi prochain, je suis avec Régent et Suzanne Fizet. Alors, on continue dans les clés de l'harmonie. Et n'oubliez pas le miroir du jour. Eh bien, l'important, c'est la rose. Donc, c'est l'amour. Je vous embrasse. Passez une agréable fin de semaine. À bientôt. CJMD 96.9. Vous étiez à l'écoute de Dis-moi, j'ai peur. On se dit au prochain rendez-vous. Oh, on en a des légumes, des carottes puis des navots, des betteraves puis des poireaux. Ah oui, on en a des beaux choux, des patates puis des tomates, on en a des roux, des vertes.